Hello tout le monde, ici HammerKick pour un nouvel épisode du HammerKato. Le programme du jour, c'est Toronto avec un nouveau head coach, une rumeur de transfert d'un joueur de Spitfire vers Florida Mayhem et enfin Washington Justice qui se renforce pour la saison à venir. C'est parti! D'abord, deux informations sur deux anciens joueurs de Gladiators, Shaz et Jaru. Les deux ont annoncé cette semaine prendre leur retraite d'Overwatch. Shaz, lui, ne veut juste plus lancer le jeu et Jaru également a décidé de prendre sa retraite pour des raisons de santé mentale. Vous avez compris, les deux joueurs de Gladiators sont épuisés et ne veulent plus jouer compétitivement à Overwatch. Voilà. Ça peut pas être plus clair à ce niveau-là. Les deux viennent de Gladiators du coup, donc c'est un peu dommage de voir ces deux joueurs partir. Shaz, flex support vétéran de la scène avec son duo avec Big Goose. Et Jaru, un joueur avec beaucoup de potentiel mais qui n'a pas pu se montrer avec Gladiators. C'est un peu dommage, très clairement. Autre information à retenir, c'est le retour d'un joueur en tant que coach. C'est Yang Xiaolong, l'ancien Hitcan DPS de Chengdu Hunters, a été annoncé comme retournant chez Chengdu Hunters en tant que coach pour l'équipe académique. Et l'alliance est importante puisque les Hunters vont refonder une équipe académique pour 2021 en Contenders de China. Yang Xiaolong sera le head coach. A priori, il n'aura pas trop de rapport avec l'équipe principale, mais ça pourrait changer à l'avenir. Ça, on verra. Ceci étant dit, on va rester dans le thème des coachs et parler des Atlanta Reign qui ont fait le ménage de ce côté-là. Hier soir, Atlanta Reign a annoncé le départ de trois de leurs membres du coaching staff. Le premier, c'est un Français qui est peu connu du grand public. Il a eu l'occasion de faire une interview avec Zaroid, mais sinon, c'était un travailleur de l'ombre. Le coach français Silence a annoncé sa retraite d'Overwatch hier soir et Atlanta l'a annoncé également comme partant des Reign. C'est très triste d'apprendre cette nouvelle, toujours attristé de voir un Français quitter Overwatch, mais bon, c'est justifié. Silence a des soucis de santé et il veut régler ça en priorité. Bon rétablissement à toi Silence, on te reverra peut-être un jour. Silence c'était un coach vraiment qui travaillait dans l'ombre et il n'y a que des retours positifs à son sujet. Si un jour il revient sur Overwatch, il aura sa place dans une équipe, c'est une certitude. Autre départ de coach chez Atlanta, c'est celui de Mentalist, le coach coréen en provenance de DC Busan Wave. Ça par contre ça m'a surpris, je ne sais pas si la décision vient du coach ou de l'équipe. Mais en tous les cas, c'est une grosse perte. Mentalist était venu avec Edison de l'équipe DC Busan Wave. Du coup, on avait un coach chez Atlanta qui connaissait très bien l'un des joueurs, ce qui était très bénéfique. Malheureusement, la collaboration a pris fin. J'espère que Mentalist a quelque chose d'autre. Ce serait un vrai gâchis de ne pas le revoir en tant qu'assistant coach quelque part, parce qu'il est excellent à ce poste, d'après tous les retours qu'on peut voir à son sujet. Dernier départ, c'est celui de Kodak. Je rappelle que Kodak était joueur au départ, puis finalement a arrêté sa carrière de joueur pour devenir coach chez Atlanta. Atlanta finalement a arrêté sa collaboration avec lui. L'Allemand peut-être aura une place en coach ailleurs. Ça, on verra également par la suite. Après avoir parlé de départ, on va parler d'arrivée. Toronto Defiant ont fait un coup de maître hier soir en annonçant leur nouveau head coach. C'était un coach attendu après son départ de Philadelphia Fusion. On le pensait arriver chez New York Excelsior ou dans une top équipe coréenne. Finalement, c'est tout autre chose. Vous l'avez compris, je parle bien évidemment de KDG, l'ancien head coach des Philadelphia Fusion qui avait quitté l'équipe il y a quelques semaines de cela. Toronto Defiant l'a recruté et ça a été une grosse surprise. Comme je l'ai dit, on attendait KDG avec un roster 100% coréen type New York Excelsior ou autre dans une top équipe. Finalement, KDG va avoir une lourde tâche chez Toronto. Reconstruire le roster de zéro avec Logix le Belge à disposition. La question, c'est qu'est-ce qu'il va en faire de cette équipe? Qu'est-ce que Toronto va devenir en 2021? On peut évidemment faire confiance à KDG pour reconstruire le meilleur roster possible. Chez Fusion, Séoul et autres équipes où il a participé, l'équipe a énormément progressé en conséquence. Je m'attends donc à du succès chez Toronto qui, l'on dit clairement, veulent une équipe qui vise le top. Bon, vous me direz, toutes les équipes sont dans cette optique-là. Mais Toronto, plus particulièrement, après deux saisons un peu décevantes, souhaite vraiment être considéré comme une top équipe.
très bon jeu de coach en tout cas, et bravo à Toronto de l'avoir convaincu d'aller chez Defiant, parce que très clairement, KDG, il a reçu beaucoup d'offres pour avoir choisi Toronto. C'est que Defiant avait de gros arguments. Hâte de voir ce que KDG va faire avec ce roster, ce sera évidemment à suivre dans la Mercato. Bien, maintenant, il est temps de s'intéresser à une rumeur qui date d'hier. Selon les sources de Daily of Thoughts, un transfert va se dérouler entre les London Spitfire et les Florida Mayhem. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes de cela, je me posais la question de si Londres allait trade ses joueurs. A priori, maintenant, on a la réponse. Ils ne sont plus que 4 chez Spitfire, Bernard, Fuse, Glister et Sanguinar. Si ce transfert se réalise, ils ne seront plus que 3 et perdront l'un des deux main supports encore restants. En effet, Sanguinar, le main support Lucio Mercy qui a joué avec Londres la saison 3, va être transféré chez Florida Miami selon Hello of Thoughts et ses sources. Alors, parlons de ça en détail parce que c'est intéressant. On s'attendait évidemment à ce que Florida Mayhem fasse un recrutement en main support. Il y a une place de disponible dans ce rôle, donc il n'avait pas trop le choix. Mais la plupart des prédictions que je voyais à ce sujet, c'était un main support montant des contenders de Corée, un unique ou un joueur de ce type-là. Finalement, Florida a pris une décision et est allé chercher ses Spitfire le main support Sanguinar, un joueur que je ne connaissais pas avant la saison 3 et que j'ai appris à connaître. Finalement, en y réfléchissant un peu profondément, c'était pas un si mauvais choix que ça. Il fallait évidemment quelque chose de meilleur que Chris, sinon ça aurait été injustifié de le release. Sanguinar, est-ce que c'est aussi fort que Chris? Ah, bien sûr que oui. Parce que, on se rappelle, Sanguinar, il a joué avec London Saison 3, un roster avec que des rookies. Et Sanguinar, en le soyant merci, il était loin d'être mauvais, c'est un bon main support. Il n'est pas dans le top, certes, mais il est quand même dans la deuxième moitié du tableau, donc la moitié haute, quand on parle de main support pour moi. Son le souhait très bon mécaniquement, très peu d'erreurs. Sa merci lors des playoffs et lors des fois où il a eu du jouer merci, c'était franchement potable. Et finalement, c'est plus le fait de jouer avec un roster de rookie qui a fait qu'on ne voyait pas trop les main supports. Sanguinar, pour moi, dans une équipe de vétérans et qui est déjà fondée type Mayhem, pourrait être une véritable star. Moi, personnellement, je suis assez fan de ce move de Florida Mayhem. Évidemment, c'est pas encore confirmé. C'est que Hello Fox qui en a parlé pour l'instant. On s'attend à ce que, si c'est réel, Florida l'annonce dans les jours à venir. Écoutez, à ce niveau-là, on verra. En tout cas, vous avez mon analyse. Je suis assez fan de ce changement. Évidemment, j'aurais préféré un main support des Contenders de Corée encore meilleur mécaniquement et qui est fin. Mais Sanguinar, ça fait parfaitement l'affaire pour l'équipe de Miami. Il est temps de s'intéresser au sujet principal de la vidéo concernant les Washington Justice qui ont annoncé un retour de joueurs et surtout une arrivée qui me fait particulièrement plaisir. Ceux qui me suivent sur Twitter l'ont très bien vu, j'ai été extrêmement heureux de voir ce joueur rejoindre Washington. C'est l'un de mes joueurs préférés des Contenders de Corée cette saison. Bon, déjà, commençons par le commencement avec une annonce que tout le monde attendait et qui n'a surpris absolument personne. Rappelez-vous, en fin de saison, Washington avait récupéré 10K grâce à la nouvelle règle du fait qu'un joueur ne pouvait pas voyager à cause du Covid. Ils avaient le droit de recruter en fin de saison. C'est ce que Justice avait fait avec 10K. Derrière, en playoff, vous savez ce qui est arrivé. Ils ont joué Auxaria, ils ont fini 3ème NA aux portes de se qualifier au Final Four arrêté par les Philadelphia Fusion. Eh bien, DK, ce prodige DPS et même tank finalement avec sa Zarya, l'un des DPS les plus talentueux et des plus chers également de cette Overwatch League, a re-signé pour 2 ans chez Washington Justice. Ça y est, c'est officiel, DK va rester avec Washington DC. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe puisque ça veut dire qu'il y a un DPS extrêmement talentueux dans l'équipe. Avec un bon coaching staff, avec une bonne équipe et avec un bon environnement, c'est un talent qui pourrait emmener Washington très très loin. Surtout que maintenant, il n'est pas seul, DK. Washington ont fait un nouveau recrutement dans le poste de main tank qui était vacant avec le départ de Roar. C'est pour moi le meilleur main tank que les Contenders Corée ont à nous offrir cette saison 2020. Pour 2021, c'est le main tank le plus attendu sur la scène et c'est surtout un joueur qui était attendu parce qu'il devait rejoindre ses coéquipiers en 2020. Malheureusement, il n'avait pas encore 18 ans. Il les a eu en juin et cette fois-ci, ça y est,
Le dernier joueur de Runaway 2.0 à ne pas être en Overwatch League l'a finalement rejoint aujourd'hui. Washington Justice ont annoncé le recrutement de Mag, le main tank de Runaway en 2019 et 2020 en Contenders. Mag, évidemment cette ligue, il ne pouvait pas la rejoindre à cause de son âge et du coup il n'a pas pu suivre ses autres coéquipiers de 2019. Donc Lee Jaegon, Gangnam Jin, Yaki, QOQ et Shui. Durant tout son temps avec Runaway, Mag a continué à performer avec l'équipe. En 2019, on compte des premières et secondes places à foison, que ce soit en Contenders ou dans les tournois de NetEase, des tournois très prestigieux qui voyaient s'affronter les équipes chinoises contre les équipes coréennes. Ils ont notamment battu Team CC 4-0 très récemment et pour moi, Team CC, c'est l'une des meilleures équipes Contenders de 2020. C'est ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Bref, Runaway, ça continue à être performant et à avoir du succès. Ça continue à créer des talents et à ensuite les envoyer en Overwatch League. On ne compte plus le nombre de joueurs qui ont eu du succès depuis Runaway jusqu'à l'Overwatch League. Et Mag désormais fait partie de ces joueurs. Pour vous parler un petit peu de Mag justement en tant que joueur, pourquoi est-ce qu'on le hype autant finalement? Et bah c'est simple. Pour moi et pour pas mal de monde, c'est le meilleur main tank des Contenders de Corée cette année. Mécaniquement, en termes de vision de jeu et en termes d'intelligence, Mag est un monstre. Que ce soit en Winston, en Reinhardt ou d'autres picks, Mag est excellentissime. Attendez-vous à ce que Washington utilise beaucoup son Winston qui pour moi pourrait devenir l'un des meilleurs de cette Overwatch League. J'ai très hâte de voir Washington en 2021. Avec un main tank aussi talentueux que Mag et le retour de DK, ça annonce que du bon pour Justice. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du reste du roster? Puisque la plupart sont free agent. Est-ce qu'on change la backlane? Est-ce qu'on essaie de récupérer Stitch et Janu pour avoir du coup DK jouant avec Stitch comme en playoff? Ou alors Mag avec Janu en off-tank à ses côtés? Ça pourrait être absolument monstrueux et en plus ce serait une sorte de clash de génération puisque Janu était dans la gen 1, Mag de la gen 2 et gen 3. Ça pourrait être intéressant de voir ce mix très clairement, j'espère que ce sera le cas en tout cas parce que vraiment un roster avec Mag, Janu, DK et Stitch et deux supports talentueux en provenance des Contenders de Corée, ça pourrait envoyer du lourd. Washington en 2021, ça pourrait être une top équipe, j'ai vraiment hâte de voir ça de mon côté. Du coup, ça y est, un premier joueur de Runaway 3.0 et techniquement 2.0 aussi a rejoint la ligue. Le gameplay que vous avez en fond, c'est la grande finale des Contenders de Corée entre WGS Phoenix et Runaway. Les 12 joueurs que vous voyez à l'écran pourraient être dans la ligue en 2021. Personnellement, les noms que je retiens sont Ace Valentine, Gable Chi et Astak chez WGS et chez Runaway, Merit, Assassin, Mag du coup qui est chez Justice, Wuyal et Revenge. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le Hammercato. Cet épisode du Hammercato est à présent terminé. Toutes les récentes informations sont là. On continuera évidemment à les couvrir dans le Hammercato puisque cette off-season est loin d'être terminée. Évidemment, pour ne pas louper un épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur Discord ou sur Twitter. Les liens sont en description. D'ici là, passez un très bon dimanche et à bientôt. Salut !